La vigne, c'est une liane. Donc forcément, on a un comportement un peu différent entre une liane et un arbre. On va pouvoir caractériser une liane et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une liane. Une liane, c'est une plante qui est compagne d'autres végétaux, c'est-à-dire que c'est une plante sarmenteuse qui va utiliser les autres végétaux comme support pour se développer. La vigne elle-même, c'est une plante qui est compagne des arbres. On a plusieurs types de vignes, donc plusieurs types de manières de développer une liane, et forcément, on a des vignes qui poussent en bord de rivière et d'autres qui poussent un peu plus dans des zones de garrigue, donc elles vont se comporter de manière un peu différente. Pour monter dans les arbres, il a bien fallu qu'elle trouve une stratégie qui lui permette de se développer suffisamment rapidement et de s'accrocher aux branches pour pouvoir monter et finalement se retrouver en haut, au sommet de l'arbre, à la canopée de l'arbre, se développer et pouvoir profiter d'un maximum de lumière. Cette technologie qu'elle a développée, ça s'appelle le sarment. Un sarment, c'est une pousse qui est creuse à l'intérieur, creuse entre guillemets, puisque en fait ce creux est rempli de moelle. Cette moelle est un tissu très peu onéreux à fabriquer pour la plante. Ça lui permet de fabriquer des pousses qui vont très très loin et qui peuvent se développer de manière très longue. Elle a une caractéristique principale que l'on va nommer acrotonie. En fait, sur une pousse d'un an, on va avoir les bourgeons opposés qu'on va retrouver sur l'ensemble de la pousse. L'année suivante, la plante va développer davantage les sarments du bout et de moins en moins, de manière moins en moins importante, les sarments qui vont vers la base. Ce phénomène-là s'appelle donc l'acrotonie. Acrotonie. Acro, c'est le sommet, et tonie, la force. Donc elle met sa force au sommet de sa pousse. D'accord ? Ce phénomène d'acrotonie, là, est régi par des hormones, en fait. Ce phénomène d'acrotonie est régi par ce que l'on appelle la dominance apicale. La dominance apicale. Ici, c'est le bourgeon du bout, qu'on appelle l'apex, qui, en se développant, fabrique une hormone qui régule la croissance des axes secondaires, qui diminue la croissance des axes secondaires. D'accord ? Donc ça, ça va freiner. C'est ce qui fait que la vigne, elle a toujours tendance à aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ça se comporte comme ça sur un arbre. Imaginez que vous avez un arbre, naturellement, et vous avez une vigne qui germe au pied de l'arbre. Elle va faire des pousses, et ces pousses-là vont avoir une certaine souplesse. Hein, vous reconnaissez bien là la forme d'un sarment. Et en fait, comme l'acrotonie, c'est une histoire d'altitude, ce n'est pas au bout de ce sarment qu'elle va se redévelopper, mais au sommet de ce sarment qu'elle va se redévelopper. Et donc, à chaque fois, elle va utiliser le bourgeon le plus haut en altitude pour se redévelopper et essayer petit à petit d'attraper une branche. Et une fois qu'elle a attrapé une branche, elle va se permettre de monter dans l'arbre jusqu'à arriver à la canopée. Et à la canopée, elle va développer tout un tas de sarments de plus en plus courts qui vont finir par lui permettre de fructifier. Jusque-là, dans son développement, la vigne n'a pas fait ou presque pas de raisin. C'est pour ça qu'on dit souvent une vigne, quand on la taille pas, fait pas de raisin, ou qu'on dit que la vigne sauvage ne fait pas ou peu de raisin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vigne fabrique des fleurs uniquement dans les 20 premiers bourgeons de son sarment. Donc ces 20 premiers bourgeons-là ont reçu ce que l'on appelle l'initiation florale, et les bourgeons d'après ne l'ont pas reçu. Et comme elle est acrotone, à chaque fois, les 20 premiers bourgeons se retrouvent dans un espace où ils ne fructifient pas. Et puis, arrivé en haut, les sarments vont devenir de plus en plus courts puisqu'ils vont se multiplier. D'un sarment, on va passer à 3 sarments. De 3, on va passer à 9. De 9, vous voyez, c'est exponentiel. Les sarments, la longueur des sarments va diminuer tous les ans et elle va se mettre à faire des milliers de petits grappillons partout. Bon. Ok. Si on regarde d'un peu plus près, donc du coup, les bourgeons qui nous intéressent pour la fructification. Donc là, on a
une baguette de l'année dernière et un sarment qui pousse sur cette baguette. Donc un bois de 2 ans et un bois de 1 an. Les bourgeons qui sont les bourgeons fructifères, on les appelle les bourgeons francs. Ces bourgeons francs, on peut faire la différence entre des bourgeons francs et des bourgeons non francs par la cicatrice foliaire qui se trouve juste sous le bourgeon. Donc quand la plante se développe, à chaque fois, on a une feuille, à l'aisselle de cette feuille un bourgeon, et ce bourgeon-là est fructifère. À la base, on a un bourgeon qui n'a pas de cicatrice foliaire, qui s'appelle le bourrillon, qui est a priori un bourgeon de secours, mais qui, la plupart du temps, est un bourgeon fertile, donc qui est capable de faire du raisin. En dessous de ça, on a ce que l'on appelle les yeux de la couronne. Et là, j'attire votre attention sur la couleur de ce bourrelet, là, de ces yeux de la couronne, qui ressemble totalement à la couleur de la baguette de l'année dernière, mais pas à celle du sarment. Donc, ces yeux de la couronne appartiennent à la baguette et ce sont des yeux de secours qui sont fabriqués et refabriqués tous les ans sous forme de bourgeons dits proventifs, donc des bourgeons en quelque part c'est de la prévoyance en fait. Elle fabrique ces bourgeons et elle va les reproduire tous les ans et elle ne va les développer que en cas de problème sur le sarment. On ne voit pas. Certaines fois, sur certains cépages, on en voit un peu, mais sur certains autres, on ne le voit pas. Ça dépend des cépages. En fait, c'est ces bourgeons-là, la plupart du temps, hein, qui sont repartis après le gel. Hein. Le bourrillon, si on a eu de la chance, et les yeux de la couronne, si on n'a pas eu de chance. Hein ? Non. Le bourrillon et le contre-bouton, c'est deux choses. Parce qu'en fait, à chaque fois, sur ces bourgeons francs-là, en fait, on n'a pas un bourgeon, mais on a 3, voire 5 bourgeons, en fait. Ouais. En fait, si on regardait de près et qu'on découpe et qu'on regardait au microscope les bourgeons, on s'apercevrait qu'on a plusieurs bourgeons. D'ailleurs, on pourrait le faire hein, assez facilement. Je sais pas si j'ai une lame de cutter, mais on pourrait ouvrir un de ces bourgeons et regarder à l'intérieur, on s'apercevrait qu'on a un bourgeon. Et puis, ça se comporte un peu comme ça. On a un bourgeon, comme ça. Et si on regarde à l'intérieur, à la base de ce bourgeon-là, on a un autre bourgeon ici et on a un autre bourgeon là, au minimum. Et donc, c'est ça les contre-bourgeons. Des fois, on a une pousse et à la base de cette pousse, une seconde pousse qui nous embête et qu'on appelle les doubles. Et en fait, ça, c'est les contre-bourgeons qui démarrent.